Salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 6 du Let's Play sur Inazuma Eleven 3. La dernière fois on avait appris un peu plus sur Archer, sur Jordan et sur Austin. Et cette fois-ci on doit faire le match contre le Qatar je crois, ça va être imminent. Deuxième match du FFI, j'ai vraiment hâte. Je crois que ça va être du lourd les gars, on a une team plutôt pas mal, je vais voir si on est soigné d'ailleurs. On est en pleine forme, et allez, en très grande forme même j'ai envie de dire. J'espère qu'on va rouler sur le Qatar. Alors, let's go, go au sud de Tokyo, au stade football frontière. On change pas les classiques. Alors juste voir le joueur qu'on avait recruté, il est niveau 8, ouais. Il est pas ouf, c'est ça? Non, il est pas ouf. Je voulais peut-être le voir pour le mettre dans l'équipe, mais non en fait. Non, je vais garder ma team comme ça, on fera des recrutements de toute façon. Je garde ma team comme ça pour ce match. Alors, êtes-vous prêt à affronter le Qatar? Yes, c'est parti les gars. Allons-y. Je trouve que ça va être un gros match. Ça commence direct, dès le début de l'épisode là, qu'est-ce qui se passe? Direct comme ça. Bienvenue pour ce match du deuxième tour des qualifications. Aujourd'hui, Inazuma Japon affronte les lions du désert du Qatar. D'ailleurs, deux épisodes du Let's Play cette semaine. Cet épisode, je sais pas quand il va sortir, mais il y en aura un autre dimanche du coup, ce dimanche. Vous inquiétez pas, voilà, deux épisodes cette semaine en tout cas. Je sais pas pour les autres semaines, mais en tout cas, cette semaine, ça sera deux épisodes. L'impétueuse équipe japonaise saura-t-elle s'imposer face aux qualités physiques et aux jeux complexes des jeunes Qatariens? En ce qui concerne la météo, c'est la canicule aujourd'hui. Espérons que le match sera aussi brûlant que les températures. Il n'a pas tort, c'est un vrai four ici. On transpire même au repos. Sérieux, chez nous, une journée comme ça, on n'allume même pas la clim. Moi, je vais pas transpirer, il faut savoir rester cool. Oui, mais on n'est pas tous aussi costauds et coriaces que toi, Harley. Moi, je suis comme un bourgeon naissant, frêle et délicat. De toute façon, tu seras remplaçant, mec, tu joueras même pas. Oh, il y a... ok, c'est Khalil. La paix soit avec vous, Capitaine Evans. Ah, mais d'où est-ce que tu sors? Je suis honoré de faire votre connaissance. Mon nom est Bilal Khalil. Je suis le capitaine de la sélection qatarienne. Je prie pour que le match d'aujourd'hui se déroule sans incident. Que la chance vous sourit. C'est bien, ils sont fair play, c'est bien. Ça change des big waves, on va dire. Marc, l'entraîneur te demande. Vous devez vous préparer. Ok, on arrive. Scotty, je sais pas ce qu'il a par contre. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas, Scott? Oula. Je sais pas ce qu'il va faire là. Oh, je n'ai pas vu une seule goutte de sueur sur son visage. Mais comment ça se fait? Il fait une chaleur à crever. Ok, j'ai cru qu'il allait faire un piège sur le terrain ou je sais pas. Ok, donc ça va. T'imagines on est disqualifié à cause de Scotty, à cause il fait un piège sur le terrain. Oh l'ambiance du stade trop stylée. Oh vous entendez la foule en délire. Oh tellement stylé les gars, incroyable. Attends je vais juste faire le tour du... Putain il y a des supporters hein, regardez. Ils ont modélisé les... Putain c'est trop bien. Oh je suis trop content. Sachant les autres jeux je crois qu'il n'y avait pas ça. C'est bien ça. On est dans le stade football frontière, je regarde juste s'il y a des coffres, je pense pas. Mais il y a tout le monde, il n'y a pas Sagi dans le public. Non, y'a pas ça, Guy. Merde, pourquoi je sors? Qu'est-ce que je suis con? Pourquoi? What, qu'est-ce que je fais? Bon, allez. Bon, bah, c'est parti, let's go. On va sauvegarder. Et puis, on va commencer ce magnifique match contre les lions du désert. Ça va être insane. Ça va être insane, c'est parti. Tu es prêt, Marc? Yes. Ok, allons-y. Voilà donc la composition de l'équipe. Hobbs et Stonewall, vous êtes sur le banc de touche, comme la dernière fois. Tenez-vous prêt à entrer en jeu à tout moment. Oui, monsieur l'entraîneur. Caleb, il en a marre, mec. Fais encore. Mais putain, mais monsieur Hillman, il pécho la mère de Mark Evans dans Inazuma Eleven 2 et maintenant la mère de Austin. Je vous jure, je vous rappelle dans Inazuma Eleven 2 ou pas, monsieur Hillman, c'était incroyable aussi. Putain mais ce mec, avec plaisir, on m'a dit que vous fermiez le restaurant pour l'occasion. Je n'allais pas vous laisser voir le match à la télé. Vous croyez qu'Austin va s'en sortir? C'est de ma faute s'il n'a pas pu s'entraîner autant qu'il aurait dû. Il n'aura pas le choix. Je pense que son talent pourrait être vraiment décisif et nous mener à la victoire aujourd'hui. C'est bien, on a des supporters au moins. Allez, c'est parti. C'est parti. Hobbs, Stonewall sur le banc. Ok, on doit écouter Travis, c'est lui le boss. Alors, Stonewall va être sur le banc. On va faire entrer du coup Jordan.
Archer en attaque, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, mais c'est ma formation par rapport à avant. Bon, Shaun, je le mets là. Je pense que là, on peut être pas mal. Darren va squatter le banc. Archer, je laisse Scotty. Je sais pas pourquoi, je le sens bien ce match. Il avait un truc... Ok, je reste comme ça, les amis. Voilà notre formation, c'est parti. Inazuma Japon contre les Lions du Désert, notre deuxième adversaire du FFI. On va voir leur niveau. J'espère qu'ils sont pas trop chauds, hein. Ils peuvent être bons, mais pas trop non plus. Les Big Wave, c'était chaud un petit peu. On va voir eux. Niveau 15, niveau 10, niveau 12. Ok, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, donc c'est très très bien. Nous, on est niveau... ouais. Ils sont exactement comme nous, à peu près. Ok, bon, bah c'est parti. Merde, putain, ils vont pas nous laisser jouer. Tous ceux qui se dressent sur notre chemin se feront balayer. J'ai parlé. Dites donc, les joueurs du Qatarien ne semblent pas rechigner à venir chercher des noises. Allez, on joue. Ah, oh, ça joue, ça joue. Merde, qu'est-ce que je fais? Ça joue ou pas? Merde. Soumet écrasement. Ok, j'avais pas capté. Moi, je pensais qu'il allait être en mode cinématique. Très, très bien. Donc, on peut jouer. Ça, c'est cool. Allez, c'est reparti. Nathan. Putain, je suis... J'ai aucune solution. Si, j'avais une solution, Jordan, mais... Tempête du désert. Ah ouais, dribble rafale 2, c'est pas passé. Ok, faudra que j'utilise des meilleures techniques. Putain, j'arrive pas à prendre mes joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais n'importe quoi. Jack, le mur 2. Le mur 2, on t'a dit. Niveau 2. Pas niveau 1, mais 2. Ça, c'est très intéressant quand même qu'ils nous ont amélioré nos techniques dès le début du jeu. Bon, après, on en aura des meilleurs, mais c'est très bien quand même. Bien joué, Axel. Axel, Axel, Axel. Allez, Axel. Premier tir. Tourbillon de feu. J'active pas ma frénésie tout de suite, les gars. Tourbillon de feu. Est-ce que ça peut passer contre le gardien qatarien? Tempête de sable V2. Ah, attention, V2 quand même. Je pense pas qu'on a la faveur élément. Ça passe. Ok, très très bien. 1-0 pour. 1-0 pour nous. Bien joué, Axel. La star de cette équipe. Allez Xavier, non, va pas gaspiller ses PT, ça coûte cher. C'est très bien, blocage comme il se doit. On a une tactique. Non, d'abord on va passer la balle à Shaun et recentrer pour Axel. Et là on utilise notre... Ah merde, je me suis peut-être un peu emballé. Merde. Oh c'est pas grave, allez hop. Xavier, frénésie, allez frénésie. On utilise tout dès la première mi-temps, on bourrine, c'est pas grave. On s'en fout de la deuxième mi-temps. Le plus important, c'est... On va marquer le coup, là. Allez, metteur G en V2 en frénésie. Quand même, dans l'équipe, quand j'y pense, on a des deux bons attaquants. Hein. Xavier et Axel, c'est du très, très lourd. Hein. Allez, faut que ça passe. Contre Tempête de Sable V2. Très bien. Allez. 2-0. Un but d'Axel, un but de Xavier. Ok, bah on commence très, très bien le match. Hein. Ok, faut un changement. Donc, une nouveauté par rapport à ce jeu. Il n'y avait pas ça avant. Ok, frénésie pour eux aussi. Contact. Dribble explosif. Ok, on n'avait jamais vu ce technique. Putain, il me balance du sable dans la gueule. Gara. L'équipe commence à fatiguer. Il se déplace beaucoup plus lentement qu'au début du match. C'est absurde, tu n'imagines. Tu t'imagines des choses par contre. Il est vrai que les Lions du désert imposent un train d'enfer. Tous les joueurs de terrain perdent des PE. Ah putain, ça va faire comme dans l'animé. Oh non, non, non. Heureusement qu'on perd pas des PT. Oh la passe parfaite. La passe parfaite. Pour la justice N2. Tir mirage. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas qu'il marque. Allez marque. Pour la justice N2. Putain il marque. Mais what? Quel but? Mais à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure tu marques? Et la victoire sera nôtre. Putain, j'ai sous-estimé leur attaquant, bordel. 2-1. Ok. Putain, j'ai pas compris là. En plus, j'ai plus ma frénésie. Bon, je pense que j'ai un petit peu trop misé sur l'attaque. Hein. Je voulais tirer de loin. Fin de la frénésie. Ok, tant mieux. On va pouvoir attaquer maintenant. Merde, oh non. D'où tu me fais un oh non? Non! Il passe à côté! C'est du foutage de gueule!
Putain, plus de pété, mais de quoi? Mais de quoi plus de pété? C'est quoi ce délire? Allez! C'est pas possible. Allez, Jude. Sean, allez, faut pas qu'on perde ce match. Axel, passe en profondeur. Merde, elle est trop en profondeur. C'est même plus en profondeur. C'est passe au spectateur. Ok. Interception du ballon à part de Xavier Foster. J'aimerais bien qu'il... Mi-temps, non, au pire moment, j'allais faire à une, deux. Oh, je vous jure, il est chaud ce match. Ils courent tous beaucoup moins vite. Ça doit être à cause de la chaleur. La chaleur pour nous autres, habitants du désert, ceci n'est rien du tout. La température commence tout juste à atteindre le niveau parfait. Nos organismes sont préparés pour résister à tout. Notre endurance ne connaît aucune limite. Voilà notre meilleure arme. Plus chaud, faites chauffer. Faites roussir la pelouse, qu'un désert naisse pour engloutir ceux qui pensent pouvoir nous vaincre. C'est donc pour ça qu'il jouait aussi physique, d'essayer de nous épuiser. C'est le moment de changer de stratégie. C'est ça Percival, c'est ça qu'on veut entendre. Austin, tu es prêt? Moi? Oui monsieur l'entraîneur. Je ne suis toujours pas digne de jouer dans cette équipe, tant pis pour eux. On compte sur toi Austin. J'avoue qu'il y a l'aime le pauvre. D'accord capitaine. Austin et Axel doivent être sur le terrain. Alors, merde, ça m'emmerde un peu là. Il va falloir que je sorte Xavier, non? De toute façon, il a plus de pété pour son météor géant. Donc, on va sortir Xavier. On va mettre Austin. C'est pas grave. On va rester comme ça, du coup. Putain, mais encore un tuto. Mais c'est pas possible. Ah, on peut utiliser des objets. Ah, c'est intéressant, ça, par contre. D'accord, pendant les matchs, on peut utiliser des objets, je crois. Bon, j'ai pas lu, hein, mais à mon avis, c'est ça. 2 tirs à 1, 5 techniques à 5. Et oh, c'est serré quand même. Ok, donc j'espère qu'ils vont pas nous remonter, nous faire une remontada là. Hein. Le ballon est à moi. Ah bien Austin. Vas-y. Va vous aller Austin, comme pour le dernier match. Et les cages sont grandes ouvertes. Vas-y Austin, mets-la dedans. Tiens, trappe. Quoi? Mais à quoi tu joues? T'es aveugle ou quoi? Le but est droit devant toi, banane. Merci l'ami. Non, les lions du désert ont intercepté le ballon. Austin, mais qu'est-ce que tu fais? C'était une occasion en or, pourquoi n'as-tu pas tiré? Je pensais que tu étais en meilleure position pour marquer Axel. Et puis en plus, je ne peux pas marquer. Mais de quoi tu parles? Oh Austin, cette histoire le préoccupe toujours. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Vous devrez voir ce garçon, c'est un footballeur né, un vrai. A chaque fois qu'il participe à un match, son équipe gagne avec un écart de but inouï. Et il n'exagère même pas. Quand on lui donnait la balle, il vous marquait un but en moins de deux. Mais il était si bon que ses coéquipiers avaient l'impression que de rien apporter sur le terrain. C'est pas drôle de jouer au foot avec toi. Et à terme, ils ont carrément refusé de continuer à jouer avec lui. Trop de jalousie, hein, moi je dis. Hein. Depuis l'idée de marquer... attends, quoi? Depuis l'idée de marquer un but de... Le terroriste. Ah, j'ai compris, terroriste. Ok, j'avais pas compris. Ok. Même face à des cages vides, il préférera passer la balle à un coéquipier plutôt que d'être à nouveau rejeté. Il ne se rend pas compte qu'il gâche son talent. Doué comme il est, il devrait avoir envie de montrer ce qu'il sait faire. Hélas, il n'y a rien que l'on puisse faire pour l'aider. Il a besoin d'être entouré d'une équipe formidable pour que son talent soit apprécié à sa juste valeur. Et c'est exactement ce dont il dispose. Mais l'ancien n'est pas encore rendu compte. Bah quand même, attends, on a Axel. C'était quoi ça? Quoi? J'essayais juste de passer le ballon aux autres pour qu'ils puissent marquer. C'est bien ce que je dois faire, pas vrai? Comme ça, je ne dérange personne et on peut tous s'amuser. J'espère que tu n'es pas sérieux. Axel, il va le défoncer. Qu'est-ce que ça peut te faire si les gens s'amusent ou non? Tu fais partie d'Inazuma Japon. On joue les qualifs pour le mondial. C'est ça, Axel, les qualifs pour le mondial. On n'est pas là pour s'amuser. Notre but est de montrer que nous sommes les meilleurs. Ne l'oublie pas. Exactement. On ne gagnera jamais si chacun de nous ne donne pas le meilleur de soi-même. Tu dois faire confiance à tes coéquipiers. Le meilleur de soi-même. Reste concentré sur le match. Et ne t'inquiète pas pour nous. On s'adaptera à ton style de jeu s'il le faut. Marc. Aucun membre de cette équipe ne t'en voudra si tu joues à ton meilleur niveau. Alors, bah, au contraire, mec. Au contraire, ce sera très bien. C'est que je risque de vous surprendre. Eh bah, surprends-nous. Il en faudra beaucoup pour nous surprendre, Austin. Très bien. Dans ce cas, je vais jouer mon meilleur football. Écoutez-moi, tout le monde. Passez le ballon à Austin et continuez à jouer comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Ok, très bien, Marc. C'est de récupérer tous ces pétés. Ok. De toute façon, je crois qu'on va le faire rentrer, donc ça sert à rien en fait. Ok, donnez-lui la balle. Faut que je le fasse tirer, non? Ouais, faut que je le fasse tirer, je pense. Allez, dribble. Tempête du désert 2, mec. Putain, ils sont redoutables.
sont plutôt pas mal en défense, je trouve. Les équipes du mondial, je vous jure, c'est un autre niveau quand même, j'ai l'impression. Et encore là, c'est les qualifs. Hein. Allez, tac, sous l'écrasement. Faut qu'on la meilleure en V3. Il t'écrase, très très bien, il nous fait sa prière aussi. Bon, vas-y, Austin, Austin, Austin. Mais c'est quoi cette passe, mec? Quoi, j'ai fait une toute petite passe. Mais je vous jure, j'ai cliqué à 2 mètres, même pas. D'accord, bah ok. Allez là. Bien, Austin. Allez. Putain, garde la balle. Mais Austin, il continue de faire des passes, il me tue. Vas-y, il a pas compris, il faut que tu gardes la balle, Austin. Mais voilà, comme ça, on va faire comme ça. Sean va partir là, et Austin dans l'axe. Merde, voilà, comme ça. Dribble réel. Ok, bien joué. Je te mets une illusion, je m'appelle Itachi. Encore dribble réel. Putain, ils sont chiants. Dribble réel, ok, une deuxième fois. Ok, parfait. Austin. Oh putain, j'ai cru l'aller repartir en arrière. Oh, j'ai eu peur. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Je suis entouré de joueurs exceptionnels capables de s'adapter à mon style de jeu. Je dois leur faire confiance. Envoie-le au fond, Austin. Allez, mets-le au fond. Mets-le au fond, garçon. Allez. Frappe du tigre. Cette fois, je ne lâche rien. Oh, ça est stylé. Ça va être stylé. Oh là là. Oh putain. Mais what? C'est encore plus stylé que dans l'animé. Oh, c'est beaucoup plus stylé que dans l'animé, putain. Incroyable. Oh là là, mais quel beau gosse. Eh oui, Jude, le véritable, il est là. Vous saviez de quoi il était capable, pas vrai? C'est pour ça que vous avez attendu avant de le faire entrer sur le terrain. Un éclair de génie tactique, si j'ose dire. Les joueurs du Qatar ont une puissance physique incroyable. Mais ils ne sont pas surhumains. Oui, il fait trop l'expert, là. Il fait le consultant de Canal+, là. D'où cet entraînement d'endurance. Il fallait avoir assez d'énergie pour épuiser l'adversaire en première mi-temps. Ok, très bien. Ah, merde, il dit quoi? Si nous ne considérons pas l'équipe comme un tout et nous n'utilisons pas les talents de chacun au bon moment, nous perdons. Ah, très vite, il a tout vu, il a tout vu. Il a tout anticipé. Si nous n'employons pas toutes les forces à notre disposition, ce championnat est perdu d'avance. C'est aussi simple que ça. Hmm. Caleb, il est saoulé, là. Ok. Sean, il est épuisé, merde. C'est vrai qu'ils nous ont fait perdre de PE, donc mes joueurs sont fatigués. Allez, putain, mais... Non. Mais incroyable où il tire, lui. Allez, Marc, tu peux l'arrêter. Incroyable, oh. Tire dynamite. Putain, on dirait l'éruption solaire. L'éruption solaire de AliExpress, les gars. Allez, pour la justice, N2. Allez, mon gars. Mon gars sûr. Quand même, heureusement. Allons, dégage cette balle, merde. Putain, j'arrive pas à passer, c'est incroyable. Donnez-moi, voilà, dégage devant. Ils sont tous morts. Allez, Austin, c'est pas grave, une de solitaire. Technique ultra stylée, hein, vraiment. Oh là là, j'adore cette technique. Tacle, allez, 3-1, 3-1, 3-1. Peut-être. Il y a combien de pété, Axel? Il a encore des pétés, mais il est fatigué. Mais il a encore des pétés, je crois. Allez, on va tenter un tir. Non, il y a Austin. Austin, très bien. Austin, la frappe du tigre. Ok, j'avais pas vu, il y avait Austin. Allez, frappe du tigre. Oh là là, elle est trop belle. Oh, j'adore. Ah, oh, j'adore. Ouais, j'adore. Vraiment, je me rappelais plus trop de ses techniques dans le jeu. Comme elle est... Alors, à quoi elle ressemblait, mais elle est vraiment stylée. Hein. Rien à dire. Tempête de sable. Et ça marque. Yes, tu peux pas tester Austin. 4-1. Très très bien. Austin MVP pour l'instant. Ah, ils font plein de changements, putain. Oh, l'interception. Oh là 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 là. Mais tu sais qu'on va tester dans ce déol. On l'a pas vu encore. Il l'avait appris lors du dernier épisode, je me rappelle. Dans ce déol. Oh, stylé. Juste mon jeu qui tourne à 70%. Mais c'est stylé. Heureusement que dans Inazuma Eleven Go ça va pas faire des ralentissements, hein. J'ai testé, heureusement. Putain, il est lent, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il est fatigué. Tempête du désert. Ok, fin du match. Bon, 4-1 les gars. Je pense que c'est un score honorable.
Je pense que c'est un score honorable. Très bien, très très bien. Victoire, yes. On a gagné, on a gagné. Impossible, comment les lions du désert ont-ils pu être vaincus? Ah, parce que vous ne vous attendiez pas à affronter un tigre, mais vous êtes bien battu. Une victoire bien méritée, Marc. Tu es promis à de grandes choses. Que la chance guide tes pas. Bah viens dans l'équipe, hein, y'a pas de soucis, moi je te recrute, hein. À la place de Todd. Oh, maillot au long du désert, crampon du désert. Va falloir que je me fasse que j'équipe un peu mes joueurs là. Bon, pas mal de level up hein, quand même. Je crois ils ont pris un ou deux niveaux mes joueurs, donc c'est énorme. Deux niveaux je crois. On a réussi. Le mondial nous tente. On a réussi. Yes. Bien dit Marc. Hein, qu'est-ce qu'il fait, Orlé? Waouh! Agression sur enfant là, agression sur mineur. On va dire qu'on a rien vu. Tu as encore du chemin à parcourir. Non, j'étais pas à fond. Vous pouvez compter sur moi pour gagner le match suivant. On va aller au mondial. On dirait une toute autre personne. On dirait que le vrai Austin est un sacré numéro. Eh bien, moi, je suis vraiment ravi de faire sa connaissance. Ce qui est bien, c'était que ce match-là, il a pas été trop scripté, les gars. Et ça, j'ai trouvé cool. Mais je pense que les autres matchs, ça sera pas pareil, on verra. Mais dis-moi, si t'es un si bon joueur que ça, comment ça se fait qu'on t'ait jamais vu pendant le football frontière? Ah ouais, parce que ouais, je pense que dans ce match, j'aurais pu me prendre zéro but, en vrai. Hein. Parce que j'avais pas le droit, bêta. Hein? Comment ça? Ben, j'avais pas l'âge. Ouais, c'est vrai qu'il est en primaire, non? Non, mais t'es en quelle classe? Tu veux dire que t'es encore en primaire? Je vous jure, lui, prend des Smarties à son goûter, Austin, je vous jure. Prend des gâteaux d'Oral Exploratrice. Il respecte personne. Tu vas encore à l'école primaire. Oui, je suis plus jeune, mais ça ne veut rien dire. Je pourrais très bien te prendre ta place de buteur vedette très bientôt. Wow, 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 on se calme. Un de ces jours, je serai meilleur que toi. Dans longtemps, je pense. Eh bien, on dirait qu'on a un nouvel espoir très prometteur. On dirait, oui. Bon, au moins, maintenant, il a une technique, alors qu'avant, il n'en avait pas, donc c'est bien. Technique de tir, là. Plutôt bien, en plus. Ce match était superbe, non? Et on dirait que le problème dont tu parlais a été résolu. Oui, Austin Hobbs a appris à faire confiance à ses coéquipiers, ainsi qu'à lui-même, et à jouer à son meilleur niveau. Maintenant, il va monter en puissance. C'est très intéressant, mais cette chaleur m'empêche de me concentrer. Il fait chaud au Japon. Viens, on va manger une glace. Mark Evans, ton équipe est en train de devenir très intéressante. Bah, très hâte de te voir bientôt en tout cas. Pendant ce temps, les meilleurs joueurs du monde entier se préparent à concourir au plus haut niveau. Ok. Brésil. Les Kingdom, l'équipe du Brésil remporte haut la main son visa pour le mondial. Macro Bingo a de nouveau mené son équipe vers une éblouissante victoire aujourd'hui. Ce garçon ira loin, croyez-moi. Wouhou. C'est rafraîchissant de voir ces joueurs savourer chaque seconde qu'ils passent sur le terrain. Hé hey Mac, hé hey oh Mac, t'as été le meilleur aujourd'hui. Vive Macro Bingo, t'es notre vedette. Longue vie au roi des attaquants. Hé hey Mac, alors on est en route vers le mondial et notre nouveau manager va bientôt nous rejoindre, non? Oui, j'ai vraiment hâte de faire sa connaissance. Je vous jure, ils ont cut les cheveux de Robingo sur l'animation. Sur sa petite carte là. États-Unis, les licornes fêtent leur qualification pour la deuxième phase du FFI. États-Unis, attention les States. J'ai la chance d'avoir avec moi le joueur qui, sans l'ombre d'un doute, a permis à l'équipe américaine de se qualifier. Eric, quel incroyable. Bien, Bobby, on s'en fout lui, hein. Il est là-bas, on s'en fout. Y'a que Eric. Eric, quelle incroyable performance. Plus personne ne se demande pourquoi on te surnomme le magicien du terrain. En revenant, Bobby et toi avez fourni l'ultime étincelle dont l'équipe avait besoin pour pouvoir prétendre au titre. Merci. Alors, vous pensez sans doute déjà à la deuxième phase. Quels sont les joueurs et les équipes qui vous préoccupent le plus? Il va dire le Japon. Allez, dis-nous. C'est nous. Eh bien, je pense que les plus heureux tous les adversaires seront nos ex-coéquipiers de l'équipe du Japon. Yes. Yes. Merci Eric, je t'aime. Il a parlé de nous. On a percé au steak les gars. Hein, tu crois vraiment qu'ils sont assez bons pour nous donner du fil à retordre? J'ai hâte d'aller leur donner une bonne leçon. Oh, tu en auras l'occasion. Ils vont forcément se qualifier, j'en mettrai ma main au feu. C'est bien, au moins Eric, il représente la famille.
En attendant, on s'est qualifié les premiers. Marc, on se reverra au mondial. Prochaine étape, le match décisif des qualifications océano-asiatiques. Et si on gagne celui-là, on sera qualifié pour participer au mondial. Waouh, c'est comme dans un rêve. Oh là là. Explosion. C'est quoi ce bruit? Cette sensation, ça me rappelle quelque chose. La Luce Academy, bien évidemment. Que ils avaient détruit le collège. C'est vous? Ok. Oh là là là, cet épisode, il va être incroyable. Comme on se retrouve, Mark Evans. Oh, mais c'est toi, Valine! Je ne m'appelle plus ainsi, désormais. Mon vrai nom est Dev Quagmire. Quoi, Dev Quagmire? Marc, il est... vrai nom, alors? Marc, il est déçu. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Votre défaite est imminente. Nous menace. Tiens, tiens. Cela faisait longtemps, hein, Marc? Quoi? Qu'est-ce que vous faites avec cette équipe? Voyons, Marc, fais un petit... Il est vraiment con, Marc, hein. Tu devines vraiment pas. Il est trop con. Oh, 2 de IQ. Inazuma Japon, nous sommes venus pour vous défier. Le vainqueur représentera le Japon au niveau mondial. Putain, ce défi de fou. Ah, Percival contre Lina, deux coachs de renommée. Prochainement, on a déjà fini le chapitre. Rempli d'espoir, nous nous dirigeons vers le dernier match des qualifications. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Vous saurez tout dans le prochain chapitre. Passeport pour le mondial. Ce jeu est trop bien. Mes coéquipiers ont besoin de moi. Je suis leur capitaine. Ce jeu est trop bien. Ta-da-da. Ta-da. Putain, et c'est très très bien, il y a vraiment des rebondissements et tout, enfin, c'est cool. Bon voilà, moi j'ai déjà vu l'anime et tout, je le savais, mais pour ceux qui découvrent, en tout cas ça fait plaisir. Et pour les autres, bah on va voir si on pourra défendre notre place en sélection nationale, hein. On va essayer de pas faire un game over, surtout pas maintenant. Je dois avouer que je n'y attendais pas. Putain, la Katsuki sont de retour. Marc n'a rien perdu de son goût pour les mélodrames. Avec lui, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Comment est-ce que vous pensez que ça va se finir? L'équipe de Quagmire a beaucoup progressé. Peu importe qui gagnera ce match, ils ne font pas le poids face à nous. On reconnaît les voix du jeu. C'est pas les mêmes que dans l'anime. Bon, je vais pas dire qui c'est. Nous nous retrouverons très bientôt, Inazuma Japon. Nous vous attendons de t'y faire. Oh, par contre, la petite limousine là, c'est gratuit? C'est comment ça? Putain, la Katsuki, ils ont les moyens. Passeport pour le mondial. Allez, yes. Je pense qu'une fois qu'on sera qualifié pour le mondial, on fera un live XP recrutement. Sinon, bien sûr, on prend pas un gros game over dans notre race avant, hein. Qui est cette dame? C'est notre ancienne entraîneuse. C'est avec laquelle nous avons réuni les meilleurs joueurs du pays et battu la Luce Academy. Mais on croyait qu'elle ne voulait plus rien avoir avec le football. Valine et les joueurs de la Luce Academy. Et Joseph, qu'est-ce que vous faites tous ici? Et il y a le petit Joseph, le roi des gardiens. Je te l'ai dit pourtant, je m'appelle plus de Valine et je ne fais plus partie de la Luce Academy. Je suis Dev Quagmire, capitaine de l'équipe Néo Japon, qui est sur le point de prendre votre place pour le mondial. Néo Japon, de quoi parle-t-il? Grande sœur. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage quand il est venu me voir ce jour-là. Je vous en supplie, rendez-moi plus fort. Faites de moi un joueur de niveau mondial. C'est d'accord, mais si tu ne m'obéis pas au doigt et à l'œil, j'arrête, tout compris? Ok, t'as cru que c'était ton toutou par contre, calme-toi. Ça n'a sûrement aucun sens pour vous, vous qui avez été sélectionné pour représenter votre pays. Mais la déception de ne pas être convoqué aux sélections n'apparente au deuil. Moi je l'aurais convoqué, Valine. L'humiliation, l'échec, je ne peux pas, je ne veux pas oublier. Nous l'accepterons pas, préparez-vous à nous donner vos places, préparez-vous à affronter l'équipe Néo Japon. Et là on lui lâche un. Non, on fait pas votre match nous. Alors Travis, acceptez-vous notre défi? Non. Ce grand fou là, il va dire oui ce fou. Pourquoi pas? C'est un fou ce mec. Monsieur l'entraîneur, t'imagines l'équipe de France au mondial 2018? Il y a des gens qui les défient genre des randoms dans la rue.
Genre, je sais pas, moi, ceux qui ont pas été sélectionnés, il y a qui? Il y a Valère Germain, il les défie, tu sais. Et t'imagines l'équipe à Valère Germain, tout ça, ils gagnent. Je crois que là, on n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde. Bon, on verra ça en tout cas. Lieu demain, ok. À quoi Aline ajoute-t-elle? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Allez, Xavier, on va bien s'amuser. Tu ne veux pas savoir à quoi ressemble l'équipe qu'elle a mise en place? Dave et les autres ont sûrement subi un entraînement intensif. Il faut s'entraîner pour qu'ils se souviennent de ce match. J'ai l'impression que nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir donner le meilleur de nous-mêmes pendant ce match. Il veut peut-être voir s'il y a... Ah, il fait quoi, Archer? S'il y a dans l'équipe Neo Japon des joueurs assez nanas pour remplacer les nôtres. Ah, ok, d'accord, il a réagi. Il a peur de sa place. Il a peur de perdre sa place. Archer, où est-ce que tu vas? Tu ne viens pas t'entraîner avec nous? Archer! Marc, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va commencer. J'arrive. Archer Hawkins a quitté l'équipe. Mais putain, mais ils vont arrêter de quitter tous l'équipe. Ils ont cru c'était quoi? Ils ont cru c'était un restaurant, notre équipe. Oh, ils quittent tous l'équipe, là. C'est vrai. Bon, on va soigner vite fait. On va soigner, on va vite fait s'entraîner un petit peu. On va faire l'entraînement. Tu es prêt? Quoi? Non, il n'y a pas de match là. J'ai vu Néo Japon. J'ai vu qu'elle avait dit Néo Japon. Ok, j'ai eu peur. C'est un entraînement. On se calme. On fait pas de match tout de suite. Hein. Marc a amélioré son point de la justice, pas vrai? Il est vraiment incroyable. Axel est bien meilleur s'il le voulait. Il pourrait percer le point de la justice comme si de rien n'était. Hein? Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer? Marc a arrêté le tir d'Axel, non? Donc Marc est meilleur. C'était un coup de chance. Si Axel avait tiré de toutes ses forces, ton cher Marc n'aurait rien pu faire. Axel est plus fort. Les deux fanboys. Ils vont se battre, hein? Je crois que je vais devoir refaire un sondage. Hein. Qui gagne la tape entre Austin et Caleb? Je crois que je vais en faire un. Comme on avait fait la dernière fois avec Caleb et Archer. Les gars, bon, bah répondez au sondage si je le fais. Qui gagne la baston entre Austin et Darren? Non, c'est Axel qui est plus fort que Marc. Ils vont se taper. Hein. Il l'a défoncé. Oh, bien joué, Jordan. T'as très bien tiré. C'est vrai. Laisse-moi deviner. C'est pas parce qu'on va affronter les meilleurs joueurs de l'Académie Alius que tu fais tous ces efforts, hein. Toujours en train de péter un câble, lui. Tu veux leur montrer que tu n'es plus le joueur de seconde zone qui les ont connus? Caleb. Non, il a raison. Dev Quadmire n'est pas un adversaire que je vais prendre à la légère. Mais je ne le laisserai pas nous battre. Je le battrai avec mon jeu, à ma façon, avec mon talent. Bien parlé, allez Jordan. Montre-leur de quoi nous sommes capables. Oh putain. Oh là là. Oh, cet entraînement, oh. Oui, c'est Monsieur Hillman. Oh, c'est Monsieur Hillman, ok. Hillman, est-ce que tout va bien? Oh. Pardon? Oh oui, oui, d'accord, je le dirai. Au revoir. Marc, Monsieur Hillman veut que tu ailles au vieux parc où il se trouve derrière la rue commerçante. Il m'a dit qu'il... Ok, d'accord. Il veut que j'aille au vieux parc. Tu plaisantes, ces deux-là passent plus de temps ensemble que dans ce vieux parc que les enfants du quartier. Ah oui, le dernier épisode, c'est vrai. Ce serait donc ça. Bon, je dois aller à la rue commerçante. À plus tard, les amis. Ok, très bien. Faut qu'on aille à la rue commerçante. Ok. Bon, on va y aller alors. C'est parti, let's go. Le vieux parc, il est en haut, je crois. Bon, je pense que je vais faire une ellipse parce que là, c'est vraiment le passage le plus chiant du let's play, je pense. Alors, l'objectif drapeau, il est en haut. Archer, oh tiens donc. Allez, on parle à Archer. Mais parle-lui, bordel. Putain, le ballon, il me bloque. What? Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le ballon me bloque. Ah, ok, d'accord. Oh, fallait lui parler derrière. C'est quoi ce délire? Par contre, il est toujours aussi éclaté, vraiment. Oh. Ah, pourquoi le ballon ne va pas là où j'ai envie de l'envoyer? Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Hillman m'a envoyé. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui, alors il m'a demandé de le remplacer.
Ah ok, donc c'était pas Monsieur Ilman qui devait voir, ok. Il doit entraîner Archer en fait. Archer il veut pas. Mais attends, viens t'entraîner avec moi. Je m'entraîne qu'avec Monsieur Ilman. Retourne à Raymond, Marc. Archer, dis-moi une chose. Est-ce que tu aimerais jouer au foot? Est-ce que quoi? C'est amusant de jouer au foot. Tu le sais ça quand même? Essaye de courir après le ballon. Juste pour le plaisir, tu vas comprendre. As-tu déjà pensé à utiliser ce coup de pied pour autre chose que pour te battre? Tu devrais essayer le football, c'est amusant, tu verras. Allez Arthur, joue en foot! D'accord. Putain, c'était le pire d'accord de la Terre. C'est ça, le bon esprit. Bon, on va commencer à faire des jeux de passe. Allez, les entraînements d'Inazuma Eleven Striker, c'est parti. Entraînement avec l'arbre. Je vais préparer un sous-temps pour recommencer. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Non mais attendez, mais ça sert à quoi de faire ça? Alors franchement ça je comprends pas. Dites-moi si vous comprenez, mais ça sert à rien. Pourquoi vous commencez vous, pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? J'ai pas compris. Ça ne sert à rien hein. Ah. Pourquoi tu cries toujours aussi fort? C'est ce qui se passe quand on fait un effort. Archer, tu devrais essayer pour voir. Allez encore. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Voilà, tu recommences. Tu te jettes sur le ballon comme un fou. Comme si c'était loin de rentrer. En vrai, ça l'entraîne Marc. Parce qu'il doit aller encore plus loin pour arrêter les balles. Tire droit sur moi. Et je devrais faire de mon mieux pour bloquer ton tir, ok? Hein? Non, Marc, je suis pas encore prêt. Bien sûr que si. Tu t'es entraîné vraiment dur. Souviens-toi de tout ce que tu as appris. Et surtout, crois en toi. Si tu le dis, attrape ça. On y a. Oh, il a cadré un tir. Oh, qu'est-ce que c'était? On aura dit que le vent soufflait tout autour de toi. Bon, il a quand même arrêté, heureusement. Tu as réussi, Arthur. Tu as réussi. Ne me dis pas que le ballon n'est pas allé exactement là où tu le voulais. Non, non, il visait la tour Inazuma à 10 km. Maintenant, souviens-toi exactement ce que t'as fait et recommence. Très bien. Putain, mais quel boss celui-là. Je pense qu'il savait que Marc c'était l'homme de la situation. Il s'est dit comme ça il se sentira mieux avec le foot et tout. Ouf, j'en peux plus, tu as faim? Je pourrais manger un bœuf. Oui, je crois. Super, alors retourne au dortoir, allez. Je vais rester ici encore un peu. Marc, ne parle de ça à personne de l'équipe, d'accord? D'accord, mais souviens-toi Arthur, c'est amusant de jouer au foot, continue comme ça. Alors c'est pour ça qu'ils en font tout un plat, il a raison, c'est amusant. Arthur qui s'amuse! Merci Marc. Oulala, ça craint. Va pas croire que les ennuis sont terminés, Arthur. Il y a la semi-racaille, attention. Arthur, souhaite maintenant regagner l'équipe. Putain, j'aimerais juste dire non pour une fois. Mais je vais pas le faire parce que j'ai trop peur. Mais je vais. Dites-moi, vraiment, ça m'intéresse trop. Si on a un d'entre vous qui a fait non un jour, ça m'intéresse trop. Alors. Mais il est où? Mais. Où est-ce qu'il est ce con? Ah, il est là. Ok, bon, une fois, je pense. Je sais pas si je dirais non un jour, mais dites-moi dans les commentaires. Le lendemain! Ok, ça y est, c'est le moment. Le match. Là, c'est un match décisif. Hein. Pas de game over là. Hein. On n'a pas fait sur le 1 et le 2, ce serait pas le moment de commencer. C'est donc l'heure du match de l'équipe née au Japon. S'ils perdent, Marc et les autres pourraient se voir retirer de l'équipe. Ils doivent à tout prix remporter la victoire. Marc, tu m'as dit un jour que le foot est un jeu alliant passion et plaisir. Mais le football est un sport difficile, exigeant et cruel. C'est vrai aussi. Il arrive parfois qu'on souffre pour le football. Non, non, tu vas pas commencer. Heureusement, il a dit qu'on souffre nous, parce qu'on est des humains. Il a pas dit le ballon souffre. Et il a pas dit que le football était triste. Là, dans ce cas-là, j'aurais pensé à une autre personne. Mais sans ces moments-là, nous ne saurons pas à quel point le football peut être amusant. Belle parole, Marc. Mais ton point de vue illustre parfaitement la raison pour laquelle nous serons toujours rivaux, toi et moi.
C'est l'heure, viens me parler quand vous aurez enfin trouvé le courage de nous affronter. Pas la Dev Quagmire pour le face-à-face. Ok les gars, alors ça sera pour le prochain épisode les amis. On va pas faire deux matchs en un épisode, on aurait pu mais ça va faire un trop gros épisode après. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Vu qu'on va faire deux épisodes cette semaine, vous aurez pas trop à attendre pour la suite de l'épisode. Donc le match contre Neo Japon. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir sur YouTube et à lâcher votre pouce bleu. Sur ce, c'était Rems et je vous donne rendez-vous dimanche ou samedi. Non samedi c'est vrai, pour la suite du let's play. Allez à plus les gars.